Bon les gars, petite vidéo instructif. Ça. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi ce truc? Ceci est une pince à tique. Ces petites bébêtes, elles se faufilent partout. Et j'en ai une. Putain de tique. Pourquoi? Parce qu'il y a mon pantalon qui est troué, donc alors pour eux c'est open bar. Donc direction le puits envelé, la première chose que je fais, je te jure, je change de pantalon. Il est mort celui que j'ai. Alors, au final, vous voulez une bonne nouvelle? C'était pas une tique. Non. C'était un moucheron. Donc ça va. Des fois, il y a des moucherons qui se faufilent aussi dans tes parties intimes. Bon, la bonne nouvelle les amis, c'est que j'avais pas de tic. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Al dente. Donc, si, et seulement si, vous faites des randonnées, et même tout le temps, cette chose-là peut vous sauver la vie. C'est une pince à tic. Les tics, ça peut vous donner la maladie de Lyme. Donc, conseil. Et quand vous faites de la randonnée, ayez toujours une pince à tique. Ça coûte 5-6 balles et ça peut vous sauver la vie. Et une pince à tique, comment ça se fait? C'est-à-dire qu'ici ou là, vous avez un... Ici, il y a la caméra. Ici, vous avez donc un petit emplacement. Donc, on va dire que vous avez la petite tique qui est là. Donc, vous prenez la tique, clac, vous la mettez dans l'entonnoir et surtout, vous la tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et vous allez voir, ça se part direct. Donc, je répète... Vous mettez la tique dans l'entonnoir, vous le truc, tac, vous arrachez pas, jamais. Vous la mettez et vous tournez. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça s'enlève tout seul, c'est un truc de malade. J'en ai une, donc c'est l'expérience qui parle. Et j'ai dû prendre des antibiotiques contre la maladie de Lyme, parce que franchement, la tique, elle m'avait fait des secs, des bons... Je vais pas dire des bons petits bonbons, mais en tout cas, j'avais une jolie marque. Donc ça veut dire que quelque part, j'étais un peu infecté. Donc, faites attention les gars, si vous faites de la randonnée et que surtout vous allez dans des hautes herbes, la pince à tique, vous allez en pharmacie, 6 € et vous allez voir, ça peut vous sauver la vie. Et surtout ça, c'est hyper léger. Voilà, donc c'était la petite reco. Ah ouais, et aussi si vous avez des animaux, la pince à tique elle marche aussi. Hein. Pour les animaux c'est pareil, c'est le même délire. Et quand vous prenez votre chien, et que vous le faites courir dans la campagne, dans les hautes herbes, il n'y a pas de souci. Le soir, directement, vérification et douche pour le chien, rien à péter. Vous le lavez, vous le nettoyez, vous mettez du produit qu'il faut, prenez soin de votre toutou, c'est important votre toutou. Et une bonne douche, et hop, on n'en parle plus, et les tiques, elles sont parties, merci, au revoir, bonne journée. Quand tu fous un petit peu le bordel dans le camping. Bon, il n'y a pas de camping, mais... En tout cas, je suis bien ici. Tiens, ici, je pourrais y passer ma vie, là. J'ai tout. Une table, ça, du soleil, une tente. Prochaine fois, je sais où mettre ma tente. Je la mettrai ici. Ici, comme ça, au moins le matin, t'as l'ombre. Ça, c'est cool. Je le sais pour la prochaine fois. Là, je l'ai mis en plein milieu, je m'en battais les steaks. Mais voilà. C'est comme ça qu'on apprend, les gars. Moi, j'apprends en faisant des erreurs et c'est la meilleure manière d'apprendre, donc n'oubliez jamais que vous ne faites jamais d'erreur. Vous ne faites que d'apprendre. Eh, c'était la petite morale du matin. Eh, 30 km à se taper. Ouais, le puits envelé, normalement aujourd'hui je le fais. Quitte à arriver à 22-23 h ce soir, je m'en bats les steaks. Ce soir, c'est le puits envelé, coûte que coûte. Allez, bisous. Bientôt arrivé, encore 26 km. Je sais pas si je vais les faire aujourd'hui, je crois que je vais arriver demain. Oh punaise. Allez, let's go!
Ok les amis, bon bonne nouvelle, c'est que je suis bientôt arrivé, il me reste 15 km. Et vous savez quoi, j'ai tellement mal à la cheville que ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire les 15 km aujourd'hui. Je me les réserve pour demain. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est quel jour? On est mercredi. Donc ça veut dire que demain, si tout va bien, demain. Ah, demain c'est sûr je suis arrivé. Il me reste quasi 15 bornes, c'est bon. J'aurais pas fait 28 aujourd'hui. Aujourd'hui j'en aurais fait une quinzaine aussi. Il en restait 30 à faire, 32, j'en ai fait 17. Mais j'ai la cheville qui commence à me lâcher gentiment. Ah c'est con hein, juste arrivé en puits envelé quoi. Mais ça pique beaucoup. Alors comme ça pique, je préfère pas jouer. Je préfère dormir, bien me reposer. Demain partir de bon train, de bon pied. Arriver demain au Puy-en-Velay. Et surtout, demain je me prends une chambre. Et demain je repose quoi. Pendant une semaine. Pendant une semaine je repose. Parce que je pense que là, les pieds, le corps, tout ça, il a fait quand même 900 bornes. Une bonne grosse semaine, 5 jours, 5-6 jours, à rien faire. Ça me fera énormément de bien. Je pourrais me retaper, me mettre sur plié, faire beaucoup de marches, mais sans le sac, ça va pouvoir me faire du bien. Alors en même temps, il faut que j'aille à D4, tout ça, il faut que je me refasse une santé, quoi. Une bonne grosse semaine, 7 jours sans rien faire, ça va me faire du bien. Et après, direction Saint-Jacques. Donc, ça va être top. Allez, repos du guerrier. Bonne journée. Bon, dans la vie de merde de Polo, voilà à quoi ressemble ma tante. Oui, vous avez tout à fait compris, ce n'est pas normal. Je garde le sourire. Hein. Ben, c'est simple, elle a cassé. Elle a cassé. Au bout de 800 km de dure intensité, voilà, elle casse. Quoi. Donc, heureusement, elle est garantie aussi. Donc, alors, franchement, des 4, je veux pas dire. Hein. J'y croyais en toi. Ben non, ça passe pas. Y a ma tente qui est cassée. Alors pour cette nuit, j'ai de la chance, je crois qu'il pleut pas. Putain de nuage qui m'arrive sur le coin de la gueule, mais à part ça, ça va. Donc comment te dire que je crois qu'avant d'arriver au Puy-en-Velay, j'ai ma petite impression comme quoi je vais passer une nuit de merde. Donc maintenant, je dois être à la militaire à la dure. C'est-à-dire que je vais me démerder pour essayer de trouver un endroit où est-ce que je peux toller. Sachant que j'ai mal aux pieds. Soit je continue, que je fais une marche de nuit. Et je crois que ça va être ça que ça va se faire. Donc je vais tout remballer. Je vais poser une pêche. Putain, je dois y aller. Et ensuite, après, je range tout correctement. Et je dois y aller. Hein. Là, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance jusqu'au Puy-en-Velay. Je pensais passer cette nuit et puis après faire 15 bornes demain. Mais là, je suis parti pour faire une marche de nuit. Parce que j'ai pas le choix. Parce que là, je sais pas où je vais dormir. J'adore ma vie, putain. Au moins, j'ai toujours un beau découvert. Bon, allez, c'est parti. Ok, donc alors avant que je me plaigne, il y a un petit truc quand même que je vais vous dire. C'est que dans la tente, donc ça c'est bien, ça c'est l'expérience qui parle. Et ça, c'est bien trouvé. Il y a une petite mèche en métal, et je vous la montre. Vous voyez cette petite mèche en métal? Si jamais ça casse, no panique, du moins ça va tenir pour la nuit. Vous mettez ça, on s'en fout du fil, le fil, ça y est, on dirait qu'il a été conçu pour. Et là, bah, vous mettez ça, et votre tente, elle est toujours bonne. À mon avis, ça tiendra une nuit, deux nuits, grand max. Après, ça tiendra, c'est pas ça. Mais le mieux de tout, c'est directement... Donc là, ça va, je suis content, puisque demain, je suis au Puy-en-Velay. Et Puy-en-Velay, j'ai un Décathlon. Donc demain, je vais pouvoir aller à Décathlon, tranquillou bilou, et je vais pouvoir changer la pièce. Vaut mieux avoir une pièce neuve. Mais c'est bien trouvé, ce truc-là. Donc je me suis énervé pour rien, et après, c'est là que j'ai... Tac ! J'ai réfléchi, j'ai dit, putain, c'est vrai que j'ai la pièce de rechange. Pas con, Polo ! Non, mais tu vois, j'apprends, tu vois. Et c'est bien, je suis content d'avoir réparé ma tente. Allez, on continue. Je la monte et...
Ah, je termine tout ce que j'ai à faire et dodo. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same.